Et que tout le monde dise, vous êtes les bienvenus à la formation des ouvriers au nom de Jésus-Christ. Je prie que la formation porte du fruit dans votre vie, dans mon cœur, dans votre cœur, et que le Seigneur nous récompense pour le ministère fidèle au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions, nous te bénissons pour nous avoir gardés en santé et de nous donner la concentration et de nous avoir aussi donné la vision pour te servir de façon acceptable dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Et comme nous sommes arrivés à la formation de ce soir, nous prions que tu parles à tout cœur au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié dans nos vies et que cette parole prospère dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons ce soir à Luc chapitre 9, verset 57. Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Le verset 58 dit, « Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Le verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Le verset 61, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Verset 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ici, nous voyons Jésus, notre Maître, notre Seigneur. Nous voyons Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Jésus, notre Rédempteur, celui qui mène la voie et qui nous montre la voie. Alors, il a confronté les gens qui ont dit qu'il voudrait le suivre. Quand on voit le verset 57, on voit le mot et suivre là-bas. Je te suivrai. En 59, le verbe suivre est encore employé là-bas. Le verset 61, on a encore le mot suivre là-bas. Il voudrait suivre. Je vais te suivre. Il a appelé l'un d'eux, suis-moi, et l'autre, suis-moi, et il n'y avait pas de doute. Et s'il devait le suivre selon leurs termes, s'il devait, sinon, lui présenter, lui fixer les conditions, si je dois suivre selon ma volonté, selon mon allure, selon mes termes, si je dois suivre selon mes conditions, on a vu que selon le thème, Christ ne va pas vouloir que quelqu'un le suive, que le pécheur qui veut suivre le Seigneur lui dicte les termes et les conditions pour le suivre. Il ne va même pas permettre à personne, même un croyant, une âme sauvée qui voudrait suivre le Seigneur, de le suivre selon ses propres termes. Il ne va même pas permettre aux ministres, aux membres, aux serviteurs, il ne permettra à aucun gagneur d'âme de suivre selon son allure, selon sa volonté. Christ veut que tout le monde comprenne que, oui, il veut qu'il le suive, il veut qu'il comprenne que lui, il va stipuler les conditions
de le suivre. Comme il était à l'époque là, alors il est le même aujourd'hui. Il ne va pas te permettre de stipuler, de mentionner les conditions pour le suivre. Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre pour aller au ciel. Je vais emprunter la voie pour aller au ciel. Il ne va pas te permettre, oui, de montrer la voie spacieuse, la voie qui te convient, la voie qui t'est favorable. Il ne va pas te dire, il ne va pas te laisser te dire que je vais te suivre, mais voici la façon dont je dois te suivre. Il ne va même pas permettre à un prédicateur, à un grand pasteur, pour lui stipuler les conditions. Je te suivais toutes ces années, mais en ce temps-ci, voici tel que je vais te suivre. Non, Christ a toujours le dernier mot. Et c'est lui qui fixe les termes, qui montre la voie. Tu me suis, donc voici comment il faut me suivre. Donc, voyons le message qui est « Suivez Christ selon ses propres termes au ciel. » Pour tout pèlerin qui veut aller au ciel, pour tout soldat qui veut aller à la fin du voyage, tu veux servir le Seigneur de façon agréable pour toi, pour nous et partout. « Suivez Christ selon ses propres termes au ciel. » C'est lui qui nous présente les normes. C'est lui qui ferait le chemin. Il dit, voici le chemin, marchez-y. Et le message est, suivre Christ. J'ai décidé de suivre Christ. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Le monde est derrière moi. La croix devant moi. Pas de retour, pas de retour. J'ai décidé de suivre Christ. Quoique les amis s'opposent à moi, cependant, je le suivrai. J'ai décidé de suivre Christ. Toutes les choses du passé, c'est dans le passé. Alors, c'est avec résolution et décision. Alors, je décide de suivre le Seigneur selon ses termes. Il n'y a pas d'autre voie. La destination finale, le lieu final, c'est d'aller au ciel. Suivre Christ selon ses propres termes vers le ciel. Nous allons voir trois points. Et premier point, nous allons voir la décision de suivre Christ sans compter le prix. Il veut qu'on compte le prix. La première personne qui est venue, il n'a pas pensé au prix. Où est-ce qu'il vit? Où est-ce qu'il va vivre avec lui? Et à quelle allure va-t-il? Quel est l'engagement de faire, voici son engagement, de faire tout ce que le Père lui a dit de tout faire. Et l'homme n'a pas compté le prix, il voudrait le suivre. Il y a des gens qui prennent des décisions sans compter le prix. La décision de suivre Christ sans compter le prix. 2. La dévotion à suivre Christ avec consistance dans la consécration. Que quel que soit ce que cela exige, quelle que soit la consécration ou l'engagement que cela exige, cela ne sera pas confortable, ce ne sera pas ce que j'avais en pensée, mais cela fait partie de suivre le Seigneur, mais tu dois être constant, consistant, si tu dois suivre le Seigneur, et il pourrait avoir des persécutions, et il peut avoir exigence de ce que tu n'as pas pensé, de ce à quoi tu n'étais pas habitué. Et si c'est la voie, et c'est l'appel, nous suivons Christ avec dévotion et avec consistance dans la consécration. Troisième point, c'est la diligence pour accomplir sa commission. Il veut que nous prêchions l'évangile. Il veut que nous mettions notre main à la charrue sans regarder en arrière. Il pourrait y avoir des obstacles dans la voie. Cet obstacle sera sur la voie, dans la voie. Nous n'allons pas éviter, passer à côté, être distrait. Cet obstacle, alors, sera la voie par laquelle nous allons suivre et aller. Les gens l'ont fait devant nous. Les précédateurs ont agi de telle manière
Nous allons continuer de suivre de cette manière la diligence pour accomplir sa commission avec une concentration obligatoire. Une seule chose que je fais, il est passé par la prison, une seule chose que je fais, il va par les défis, il dit, mais une seule chose que je fais, et il est poussé, il est poussé ici et là par les persécuteurs, je ne fais qu'une seule chose, la diligence pour accomplir sa commission avec une concentration contraignante ou obligatoire. Voyons le premier point qui est la décision de suivre Christ sans compter le prix. Nous allons à Luc chapitre 9, 57. Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Le Seigneur connaissait son cœur. Le Seigneur lui a dit au verset 58. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jeune homme, tu veux me suivre? Où est-ce que tu vas dormir cette nuit? Tu veux me suivre? Alors, quel repas allons-nous prendre cette nuit? Tu veux me suivre cette nuit? Comment allons-nous payer pour ceci et cela? Tu veux me suivre? Oui, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, je n'ai pas où reposer la tête. Et vous voyez, les oiseaux que vous voyez, les tanières, les renards que vous avez, ils ont leur lieu. Mais l'homme, là, on ne peut plus entendre de lui. Ah ben, il a quitté et il n'a pas son nom dans le livre de vie parce qu'il n'a pas compté le prix. Nous allons voir trois points ici. Première partie ici, c'est la déclaration et le prix de suivre le Seigneur. Lui, il l'a déclaré, mais il n'a pas pu payer le prix. Et deux, c'est la démonstration de la consécration à suivre le Seigneur. Nous devons démontrer que nous voulons soutenir notre déclaration, notre parole, notre décision par l'engagement de notre vie. Trois, c'est son exigence pour la compréhension à suivre le Seigneur. Le Seigneur exigeait quelque chose de lui. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux comprendre ce que je dis? Il a exigé que nous ayons cette compréhension de ce qu'il déclare, de la décision qu'on prend. Première partie ici, nous avons la déclaration et le prix de suivre le Seigneur. Nous allons au nombre. Nombre 14, 24 dit le Dieu Tout-Puissant et que Caleb est mon serviteur. Et parce que mon serviteur Caleb, Moïse est mon serviteur, Caleb est mon serviteur. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, des millions d'Israélites, il s'est distingué, il s'est séparé, il a montré qu'il est un homme différent, il est d'une perspective différente, et il est un homme d'une compréhension différente. S'il faut suivre le Seigneur, ce doit être selon les thèmes du Seigneur. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Il n'a pas vu d'autre chose que les autres n'ont pas vu, mais il y a le grand Dieu au ciel et il nous a amenés à la terre promise et il a dit que Dieu aurait fait tous les arrangements et tout ce qui est là. Les autres disaient que nous sommes comme des sauterelles devant les gens là. Et ils disent qu'on ne peut pas aller. Mais ils disent, montons, allons là-bas. Et ils disent, mais si le Seigneur est avec nous, s'il reste avec nous, nous allons conquérir le pays. Il a l'esprit de foi, le cœur de foi, la disposition de foi. Il regardait le Dieu invisible au ciel que nous serons là-bas. Dieu merci, il était là et je serai là.
vous serez là au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, quand on suit le Seigneur, il faut compter le prix. Nous allons rencontrer ces gens, aussi géants qu'ils soient, nous allons rencontrer ces gens dans leur monde, dans leur muraille élevée, dans leur forteresse. Nous allons combattre le combat de la foi. Nous allons les vaincre. Vous devez compter le prix. N'allez pas aller comme si ces murailles de Jéricho venaient de tomber, de s'écouler. Il y a quelque chose à faire. Il y a le fleuve Jourdain à traverser. Et nous devons faire cela par la puissance du Seigneur. Comptez le prix. Les Cananéens sont là, comptez le prix. Les murailles de Jéricho sont là, comptez le prix. Le fleuve de Jourdain est accru, et comptez le prix. Et le Seigneur va renverser toutes les barrières. Mais vous devez avoir la volonté, sachant que les défis sont là. Donc ce n'est pas que lorsque les défis se présentent qu'on commence à chanceler. Où irons-nous, où passerons-nous? Comptez le prix et nous allons entrer au nom de Jésus-Christ. Ruth 1, verset 12. Maintenant, Naomi, Ruth 12, 1, 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et Naomi parlait ici à ses belles filles, Et quand je dirais, j'ai de l'espérance, quand cette nuit, même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Ça, ce sont des probabilités. Est-ce que je peux encore avoir de mari? Regardez mon âge, est-ce que je peux encore faire des enfants? Regardez mon âge, même si je me marie aujourd'hui, est-ce que je suis sûr d'avoir encore des fils et non des filles? Ces probabilités-là, regardez, que je vous présente. Alors, est-ce que vous allez attendre? Le 13 dit que attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Et veut compter le prix. Est-ce que tu es sûr que si tu me suis jusqu'à mon pays, ou ma patrie, est-ce que vous êtes sûr que si tu me suis jusqu'en Israël, et si j'ai de fils, ou bien si je n'en ai pas, est-ce que tu vas attendre toutes ces années? Ouais, le mariage est très important. Et avoir ta famille, c'est très important. Est-ce que tu vas attendre? Il faut compter le prix. Et les gens aujourd'hui sont très impressionnés. Je vais te suivre. Je vais suivre le Seigneur. Mais ils ne comptent pas le prix. Ils ne sont pas encore mariés. Est-ce que tu vas obéir au Seigneur? Est-ce que tu vas attendre le choix de Dieu? Est-ce que tu vas faire exactement la volonté de Dieu? Et ne pas être acculé, être dribblé par les gens, par ta chair, être poussé par ta chair, la pulsion en toi. Le Seigneur dit, suis-moi, mais il faut compter le prix. Certains voudraient prêcher ou bien servir le Seigneur. Est-ce que tu vas abandonner tout ce que tu poursuivais au départ? Est-ce que tu vas abandonner les choses dans ta vie qui vont t'apesantir? Compte le prix. Si Ruth a compté le prix, et ça dit ici que, et il disait que, et mes filles, que vraiment, et voici, et la main du Seigneur est contre moi. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Voyez, ce qui se passe ici, oui, c'est plus qu'une émotion. Parfois, quand on entend un message là, et on est devenu très ému, il y a l'émotion. Je vais suivre. Parfois, quand on entend les chansons ou bien les messages, il y a les sauts, les âmes meurent. On attend, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Et émotionnellement, on se lève. Oui, je vais en pleurer, je vais suivre le Seigneur, je vais le faire, on gagne des âmes. Mais il faut compter le prix. Oui, vous voyez, on gagne les âmes. Nous allons aller partout dans tous les pays. Quelque chose ce qui se présente dans la voie, le lion dans la voie, nous allons le suivre. Nous allons faire le Seigneur. Nous allons suivre le Seigneur. Nous allons faire l'œuvre du Seigneur. Il faut compter le prix. Il y a les gens qui courent très bien, très rapide. Ils courent. Ils peuvent le faire. Je peux le faire. Mais il faut compter le prix. C'est ce qui était arrivé ici. Et elle élevèrent la voix et pleurait encore. Orpa
baisa sa belle-mère, disant, au revoir, c'est trop lourd pour moi, regardez mon âge, et est-ce qu'on est sûr d'avoir de mari? Si je te suis, au revoir, je ne te verrai plus. Elle a compté le prix, mais elle a fait votre face, et que je ne peux pas. Au fait, elle ne s'est pas séduite. Au fait, elle n'a pas dit que je suis, et avec répugnance, elle suit. Elle ne dit pas, d'accord, je viens. Et avec murmure, elle suit. Et puis, et avec plainte, est-ce que c'est ainsi que la chose sera? Mais elle a dit que non, qu'elle ne peut pas aller avec Naomi. Alors, sans compter sur la grâce de Dieu, elle n'était pas en mesure d'aller au ciel. Elle a chuté. Mais Ruth, elle s'attacha à elle. 15 dit Naomi, dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. La solitude est un grand problème pour plusieurs années. La seule personne que connaissait Juif, une compagne, était Orpa, et leurs maris et leurs époux étaient morts, et elles ont Naomi avec elles. Il y a des jeunes dans le pays, mais elle ne vivait pas avec ces gens. Et maintenant, il y aura maintenant un vide dans le cœur de Ruth, parce que son ami ou bien sa belle-sœur est là, son intime. Orpa est retournée à son peuple, à ses idoles, et Ruth va sentir le vide, la solitude. Est-ce que vous pouvez faire face à cette solitude? La personne avec qui vous étiez intime dans la vie chrétienne, dans l'engagement chrétien, dans l'église, dans le ministère, dans le service du Seigneur, la personne a décidé de ne plus payer le prix, de ne pas compter le prix. La personne abandonne Jésus, le service du Seigneur, et la personne dit non, en privé, ouvertement, que au revoir, je m'en vais. Nous étions familiers, on était intimes. Vous n'avez personne avec qui il faut discuter. La personne est partie. Elle est partie. Alors tu te sens solitaire. Petit berger, cette solitude avec ton appel, peux-tu accepter cette solitude avec ta décision de suivre le Seigneur? C'était le cas de Ruth. Il lui dit, mais que retourne avec ta soeur, ta belle-soeur. Mais le numéro 16, on a vu que vraiment Ruth a payé, a compté le prix. 16 dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Le verset 17 dit, où tu mourras, je mourrai. C'est-à-dire que, mais tu es plus âgé que moi, tu es ma mère, ma belle-mère, en toute probabilité, tu mourras après moi et tu m'abandonnerais. Mais après que tu seras morte, je m'accroche à mon vœu, je m'accroche à mon engagement. Après ta mort, je resterai là-bas. Les gens que tu laisseras derrière toi, ces gens pourraient être des gens aimables ou autrement. Oui, j'ai compté le prix. As-tu compté le prix? La personne avec qui tu es venu à Christ, lorsque tu es venu à Christ, peut-être la personne n'est plus ici. As-tu compté le prix? Lorsque tu as commencé l'œuvre du Seigneur, voici la personne avec qui tu vivais bien ensemble, la personne n'est plus là. As-tu compté le prix? Les gens qui te conseillaient, et va, passe par ici, pas par ici, et que cette voie de la sainteté est plus difficile pour lui ou pour elle, que le chemin est trop abrupt pour lui, et la personne dit, au revoir, as-tu compté le prix? Que advienne que pourra, quel que soit ce que font les autres,
quelle que soit la décision des gens qui restent où il fut, tu as si compté le prix que toi tu demeures. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Nous allons voir 2 Samuel 15, verset 15. Les serviteurs du roi le disent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Et le verset 17 dit, le roi sortit parce qu'il allait, parce que Absalom était derrière lui, voudrait le poursuivre et l'éliminer, donc il devait fuir, ou que le Seigneur le dirigeait. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Le verset 18. Tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passaient à ses côtés et tous les Gathiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passaient devant le roi. Le verset 19. Le roi dit à Ittaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Pourquoi tu nous suis? Retourne et reste avec le roi. Et reste avec la personne qui s'arroge le roi de position. Qui s'arroge la position du roi et d'être dirigeant. Le Seigneur ne l'a pas préparé. Le Seigneur ne l'a pas amené au trône. Même il s'est arrogé le droit du roi et dit, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger. Tu venais d'arriver et même tu as été emmené de ton pays. Et le verset 20 dit, tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais, retourne, et amène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Voyez ici, c'était personne qui n'avait pas compté le prix, qui ne voulait pas suivre. Je dis, David a prié pour moi et il m'a dit que je peux retourner. Donc, je ne dois pas passer par ce sacrifice, je ne dois pas le suivre. Il a même prié pour moi. Mais regardez le verset suivant. 21 dit, Ittaï répondit au roi et dit, Éternel est vivant et mon Seigneur, le roi, et mon Seigneur le roi est vivant au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Ça, c'est l'engagement. C'est la décision de suivre et de compter le prix, quel que soit le vent qui souffle. Quelles que soient les circonstances qui s'émergent en tête vilaine, quelle que soit la persécution, la situation, que ce soit à la mort ou à la vie, et ça dit que là où sera mon roi, quel que soit le futur, que Absalom te piétine pour toujours, moi Ittaï, j'ai décidé de suivre. C'est compter le prix comme nous suivons le Seigneur. Mais les gens qui boitent, les gens qui chancellent, les gens qui ne sont pas fermes, alors ils sont indépendables.
et regarde si cela me favorise, si ce que je cherche vient, si ce que j'envisage se produit. Donc, il va me joindre à eux. Mais au contraire, alors je saurai comment prendre mon subterfuge. Ce sont les gens qui n'ont pas compté le prix. Le verset 22 dit, David dit à Ittaï, va, passe. Et Ittaï de Gath passa avec tous ses gens. Il n'a laissé personne et tous les enfants qui étaient avec lui. Ça, c'est déclarer notre décision de suivre Christ et de le soutenir. Mais de la soutenir avec la consécration, de soutenir cette décision avec le prix que nous comptons pour le suivre de façon appropriée. Deuxième sous-thème ici, la démonstration et de la consécration à suivre le Seigneur. Et il faut une façon de démontrer cela, soit par la parole de bouche, soit par une parole corporelle, soit par ce qu'on abandonne, soit ce qu'on a brûlé. Alors, c'est-à-dire que ici, oui, nous passons sur le pont pour suivre le Seigneur. Dès qu'on passe sur le pont, alors on démolit le pont parce qu'il n'y a plus de pont pour nous ramener en arrière. Alors nous décidons de suivre le Seigneur. La démonstration de la consécration à suivre le Seigneur. On va à 1er roi 19, 16. 1er roi 19, 16. 1er roi 19, 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, pour prophète à ta place. On ne savait pas si Élisée savait que Dieu va l'appeler, et il n'y a pas mention de cela. Il y a des gens qui vont dire que moi, je n'ai pas entendu cela au départ. Moi, je ne savais pas que c'était moi. Élie, je suis au service, à mon champ. Je travaille avec mes bœufs attelés. Mais si Dieu savait, si Dieu voulait que je sois là-bas, mais Dieu devait me parler. Mais tu ne m'as rien dit et tu es venu mettre le manteau sur moi. Mais il est allé dira à Élisée et son appel. L'appel est venu par Élie à Élisée et cette personne a déclaré la consécration pour suivre le Seigneur. Nous allons voir la dernière partie du verset 16 qui nous dit, verset 16 qui dit et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, et d'Abel Mehola pour prophète à ta place. Pour prophète à ta place. À ta place. Pour prophète à ta place. Alors, il a oint Élisée. Le verset 19 nous dit, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Il n'a pas dit Élisée, et bonsoir à toi, bonjour à toi, le Seigneur m'a parlé, est-ce que tu me crois? Le Seigneur l'a dit de façon très claire et m'a mentionné ton nom, que tu seras prophète qui viendra aider, prophétiser, prêcher, encourager, inspirer les enfants d'Israël après moi. Il n'a pas dit ça. Il n'y a rien de la sorte. Il ne lui a rien dit. Il a seulement jeté son manteau sur lui. Voilà le verset 20. 20 nous dit, Élisée quittant ses bœufs, il y a des gens qui ne vont pas comprendre jusqu'à ce qu'on leur explique à maintes reprises. Mais Élisée a compris. Pas une parole de la bouche d'Élie, seulement un manteau. Et il a compris. Il y a des gens qui ne vont même pas comprendre
et même le clignement des yeux. Et tu leur parles et avec des signes pour te comprendre, ils ne vont pas comprendre. Il y a des gens, vous leur imposez la main et vous les prenez par l'épaule, ils ne vont pas comprendre. Il y a des gens, vous leur jetez le papier, il y a quelque chose écrit sur le papier, ils ne comprennent pas. Mais Élisée, dès que Élie a jeté le manteau sur lui, aussitôt il a compris. Voilà, si on veut suivre le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre esprit, de tout notre esprit, de toute notre âme, quand on s'apprête disant « Seigneur, je vais payer le prix, quelle que soit la chose, voici ce que je vais faire. » Et le Seigneur comprend. Alors, à la moindre déclaration, alors on peut comprendre parce que la personne veut suivre le Seigneur. Et il s'est dit que Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Ce n'est pas pour chercher l'approbation ou demander la permission. Ce n'est pas pour dire que j'ai un nouvel appel, je vais venir ou ne pas. Non, parce que je suis sorti le matin et de la maison. Et si je ne retourne pas pour leur dire, alors ils vont se demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Laisse-moi aller et les informer. Et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Et le verset 21 dit, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une... Après avoir dit au revoir à son père, au revoir à sa mère, ça dépend de ce que tu as dit à ton papa. Si je dis papa, il y a un homme qui m'est abordé dans le champ et puis il a jeté son manteau sur moi. Je pense si peut-être je peux le suivre. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? N'importe qui peut jeter un manteau sur quelqu'un. Tu connais Élie, l'homme là, c'est un homme dur, un homme cruel. Est-ce que tu as vu sa méthode? Est-ce que tu connais ses voies? Tu veux suivre Élie? Ça dépend de comment vous avez raconté, comment vous avez conté cela à votre famille. Si tu leur parles de cela avec conviction, et tu leur parles que voici le futur, et que le champ que j'ai, il n'y a pas de futur là-bas, je veux suivre le Seigneur, advienne que pourra. Si on voit que tu es décidé, tu es déterminé, que si on voit que ta décision est scellée, il n'y a plus d'autre voie, voici la seule voie, et ils n'auront pas de choix que de te laisser. Si même s'ils ne te laissent pas, tu ne leur demandes pas la permission de te laisser. Tu leur dis que je sors, je m'en vais, voici la voie, au revoir à vous, et c'est au revoir. Et c'est dit qu'il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, les amis et les voisins, tout le monde a mangé. Puis il se leva. Alors il n'y avait pas de lien, de chaîne qui le liait. Il y a des gens qui se liaient par une chaîne invisible. Il s'attache à cet ami. Il s'attache beaucoup à cet homme. Ces gens s'attachent beaucoup à cette femme. Ces gens s'attachent beaucoup à ces gens. Et parce que ces gens se sont attachés, ces gens ne peuvent pas se lever sur le Seigneur. Mais cet homme a décidé, et il savait que voici le chemin, et voici la voie qu'il va emprunter. Et puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Et fut à son service. Comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il lui lisait les Écritures? Non. Est-ce qu'il lui interprétait les Écritures? Non. Est-ce qu'il l'encourageait? Non. Non. Il prenait seulement de l'eau et versait de l'eau sur les mains d'Élie. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires prospère. Un homme, un directeur de son service qui utilisait 12 paires de bœufs à toi abandonné pour venir être au service d'Élie en versant de l'eau. Mais quel est le ministère, quel appel? Est-ce que ne vous en faites pas? Le Seigneur me fera faire
le dernier ministère efficace. Vous voyez, le point c'est que ces gens ont compté le prix et ils n'ont pas minimisé le ministère auquel le Seigneur les appelait. On voit la troisième partie ici. Nous allons voir ici l'exigence pour la compréhension à suivre le Seigneur. Voyons Luc chapitre 9, 57. Luc 9, 57. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus n'a pas dit, « Ah, merveilleux, viens, suis-moi. Il y a la place pour tout, il y a la place pour toi. » Il veut qu'il comprenne, qu'il sache, qu'il comprenne la signification de ce qu'il disait. Il veut qu'il comprenne le vœu qu'il faisait, la consécration que nous déclarons. Il veut qu'on comprenne tout ce qu'on dit que j'ai mis ceci sur l'autel. Il ne faut pas être émotionnel. Ne sois pas pris par émotion. Comprends ce que tu dis. La compréhension de ce que nous disons lorsque nous décidons de suivre le Seigneur. Voyons Jean, chapitre 6, 2. Jean 6, 2. Une grande grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Le verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, maître, enseignant, docteur, Seigneur, quand es-tu venu ici? Le verset 26 nous dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il les a exposés. Et si l'Esprit de Dieu peut t'exposer à toi-même, pourquoi tu suis? Pour quelle raison tu es venu? Pour quel objectif tu es là? Et si l'Esprit du Seigneur peut t'exposer à toi-même et te dire, regarde cet objectif, regarde ce but, regarde cette raison. Est-ce que cela est digne du ciel? Est-ce que cela est digne de l'éloge, de la recommandation du ciel, ce que tu fais? Quand tu dis que tu suis, que tu t'es consacré à suivre le Seigneur, à suivre le Seigneur, est-ce que ceci est digne de louange du ciel? Donc le Seigneur a dit, pourrais te dire pourquoi tu cours après moi et tu dis que tu me suis? Pas parce que vous avez vu ces miracles et vous dites que n'importe qui peut faire ceci, que ceci est, cela est digne de suivre. C'est parce que vous avez mangé ces pains que vous avez été rassasiés. Le verset 27 dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. Faut pas rester là-bas disant que tu me suis à cause des biens matériels que vous avez pu gagner de moi. Faut pas dire que tu me suis parce que tu fais comme les gens du moi. Même les gens du monde qui ne sont pas sauvés, les gens du monde qui ne sont pas sauvés, eux aussi vont courir après moi. S'ils savent qu'ils peuvent manger chaque jour de façon miraculeuse, ne le faites pas. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Je prie que nous suivions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre
pensée au nom de Jésus-Christ. Allons au deuxième point. C'est la dévotion à suivre Christ avec consistance dans la consécration. Soulignez cela. Numéro 1, c'est il y a la consécration. La consécration, comme tu examines, tu vois ta vie. Est-ce que tu as consacré quelque chose de précieux à toi? Quelque chose qui peut t'amener être au niveau égal avec tes égaux et quelque chose dont tu jouis, mais as-tu soumis quelque chose au Seigneur qui puisse être agréable à toi? La deuxième question, es-tu constant dans la consécration? J'envisage le passé maintenant. Lorsque j'étais né de nouveau en 1964, j'ai reçu le message direct de la source, de la fontaine. Et j'ai dit que je dépose ceci, je regarde en arrière, et je regarde 1964 par la grâce de Dieu et la consistance. Et la consistance, il n'y a rien que j'ai déposé, que ceci c'est trop pour Dieu, ceci c'est trop pour la prédication, ceci c'est trop pour le ministère pastoral. Reprends cela. Il n'y a rien que j'ai déposé qui me fait voir maintenant que c'est trop. Mais je continue de déposer plus. Tout ce que le Seigneur exige, je dépose cela. Il faut qu'il ait cette continuation. Dans les choses que nous déposons au Seigneur, on dépose, on reprend, que c'est trop pour le ministère, ça c'est trop pour les gens, c'est trop pour le salut des âmes. Alors, on parle de la consistance ou la continuation dans la consécration, la dévotion qu'on a, qui affecte le cœur, l'âme, l'esprit, tout ce que vous avez, vous déposez là. Le Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai et que je ne dépose pas, tout ce que j'ai, Seigneur, aide-moi un peu. Seigneur, permets-moi un peu. Regarde mon âge maintenant. Permets-moi un peu pour que je puisse garder cela. Ça, il n'y a pas la dévotion. Mais lorsque tu te dévoues au Seigneur, lorsque tu te consacres au Seigneur, que Seigneur, je te donne tout et je vais continuer de te suivre continuellement en consacrant tout à toi. Ça, c'est la dévotion à suivre Christ avec continuation dans la consécration. Luc chapitre 9, verset 59. Il dit à un autre, suis-moi, et dit, et répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. 70. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir le mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. De qu'un dirait, permets-moi d'abord me marier, alors je dois aller me marier à un autre lieu, pas ici. Ici, alors on ne permet pas à beaucoup de réjouissance, à beaucoup de plaisir, on ne permet pas beaucoup de mondanité, mais je vais te suivre, je reviendrai. Mais je dois d'abord aller faire mon mariage à un lieu où on permet tout, à un lieu où je peux laisser aller, faire ce que je veux. Là, ce n'est pas la consécration. Même si tu reviens, Dieu connaît ton cœur, tu veux aller faire ceci et cela. Certains d'entre vous êtes assez âgés dans le ministère. Vous savez qu'au départ, lorsque je commençais à prêcher en 1983 à l'étude biblique, était comme cet homme ne va pas se marier, mais ne vous en faites pas. Finalement, le Seigneur m'a conduit à me marier. Vous rappelez, vous étiez là le jour-là, dès qu'on a fait le mariage, on a fini et les noces et on devait faire le suivi parce qu'on a tenu la croisade et on est allé au suivi. Je suis allé prêcher là-bas le même jour
comme si rien ne s'était passé au mariage. Je ne me suis pas exempté, je me suis pas exempté à l'étude biblique, mais à la communion des frères que je venais de me marier. Regardez mon âge, mon âge maintenant, faut laissez-moi jouir de mon mariage. Non, tout est donné au Seigneur. Peux-tu être si constant? Peux-tu tout donner au Seigneur disant que voici, je suis le Seigneur, sans regarder en arrière, et comme c'était ainsi, c'est, cela est aujourd'hui, il n'y a pas façon de diluer ou de réduire la consécration au Seigneur. Mais cet homme a dit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, et que permets-moi aller annoncer, faire quoi que ce soit. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. C'est la priorité de la pensée de Christ dans le cœur de Christ. Va annoncer le royaume de Dieu. Nous allons voir trois choses ici. Suivez Christ et laissez les morts ensevelir leurs morts. Deux. Se focaliser sur Christ et être mort aux choses meurtrières, aux choses mortifiantes. Et des choses qui rentrent dans notre vie, qui nous assoudissent, des choses qui nous écrasent. On ne peut pas prendre l'envol et avancer. Et dit que focalisez-vous sur Christ et être mort aux choses mortifiantes de ce monde. 3. Pêcher pour Christ, déclarer la délivrance pour les morts. Et numéro 1, nous allons voir suivre Christ et laisser les morts ensevelir leurs morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Les morts ensevelir leurs morts. Nous allons à 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5 à 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Le père était physiquement mort. Il y a des gens qui vivent dans la mondanité, dans les plaisirs, dans le confort terrestre, dans les réjouissances terrestres. Ils sont spirituellement morts. Que le spirituellement mort, qui n'a pas la vie de Christ, qui n'a pas la passion dans l'âme, qui n'a pas l'appel pour le royaume de Dieu, qui n'a pas un esprit vivant qui va lui faire faire ce à quoi Dieu l'appelle à faire, que ces gens-là qui n'ont pas d'objectif, que les gens-là sans esprit, que ces gens mondains, que ces gens superficiels aillent ensevelir leurs proches morts. Mais toi, ne passe pas ta vie, ne passe pas ton temps, ne passe pas les articles précieux que le Seigneur t'a donné pour ensevelir les morts. Les morts, les spirituellement morts peuvent le faire. Apocalypse 3, Apocalypse 3, 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu vis physiquement, tu vis religieusement, tu vis dans les rituels religieux, mais tu es mort. Ce sont les gens. Que ces gens morts qui n'entendent pas la voix de Dieu, ils sont spirituellement morts, ils ne voient pas la vision de Dieu, ils sont spirituellement morts, aveugles, ils n'ont pas la passion pour l'éternité, ils sont spirituellement morts. Que les gens morts là, qu'ils aillent ensevelir leur mort, pas ton mort, le mort ne t'appartient plus, tu as ta vie, tu as un appel, tu as la focalisation, que les morts ensevelissent leur mort. Voyons la deuxième partie ici, c'est se focaliser sur Christ et être mort et être mort aux mortifications et être mort aux mortifications. Il y a des choses qui pourraient nous arriver et qui vont nous aveugler,
qui vont nous mortifier, qui vont saper toute notre énergie, qui vont nous rendre morts, inertes, même marcher, même, ce serait différent, ce serait difficile, parce que leur influence nous mortifie, leur interaction nous tue notre vie spirituelle, notre vie de prière, et les choses qu'ils discutent avec nous ont tendance à nous mortifier, à nous tuer comme les gens, les pécheurs morts dans le monde. On ne peut plus porter de fardeau, on n'a pas de feu, on n'a pas la vie en nous. C'est l'influence des gens là, les influences nous ont si apesantis que nous sommes morts. Donc, alors il faut tout faire pour garder le feu, la passion en nous. Et c'est dit que se focaliser sur Christ et être mort aux mortifications. Nous allons au Colossiens 3. Colossiens 3, 1. Et si donc vous êtes ressuscité à Christ, vous étiez mort, mais maintenant vous êtes ressuscité avec Christ. Vous étiez mou comme un bois sec. Vous ne sentez rien. Vous ne voyez que voici le moment de se lever et aller prêcher la bonne nouvelle. Tu étais mort, maintenant tu es né de nouveau, tu es ressuscité. Il y a la résurrection spirituelle. C'est donc que vous êtes ressuscité avec Christ. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Focalisez-vous sur Christ. Il y a des discussions qui peuvent mortifier notre vie spirituelle. Il y a des poursuites qui peuvent mortifier notre poursuite spirituelle. Il y a des choses qui peuvent mortifier notre vision vivante. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et le verset 3 dit, car vous êtes morts. Vous êtes morts aux choses du monde qui nous mortifient. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelqu'un l'a crié Amen. Voyons Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort, quand tu es mort au monde, tu es mort à la chose la plus importante dans l'esprit des gens dans le monde. Ouais, il y a des familles où le mari peut être en inimitié avec la femme sur la base de la politique. Parce que la politique, c'est dans le cœur de l'homme, c'est la vie de l'homme. Ouais, c'est la chose précieuse pour l'homme là. Et l'homme disait, cette personne va gagner les élections. Et la femme innocemment dit, mais je ne crois pas ça. Hein. Je crois que c'est l'autre homme qui va gagner. C'est fini. Hein? Parce que l'homme là, c'est sa vie. Hein? Pourquoi tu viens parler comme ça? Pourquoi tu as dit ça? Moi j'ai dit que l'homme là, l'autre là va gagner. Et puis il y a une inimitié. Parce que l'homme là, il n'est pas mort aux politiques du monde. Il y a des gens qui peuvent détruire l'église que le pasteur prêche. Et je crois que cette personne va gagner. Et 80% de l'église a dit que, ah, quoi? C'est ce que tu veux? Gagner? Puis, les gens vont partir. Alors, ils vont disperser l'église parce qu'ils ne sont pas morts à la politique. Que celui qui sera là, que celui qui veut être là, soit là. Dieu est sur le trône et Dieu va choisir le meilleur pour notre pays au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, on ne lutte pas.
Ouais. Soyez mort aux choses du monde. Parce que pourquoi mourir à cause de ce commentaire et ce commentaire? Voici réellement nous sommes chrétiens. Nous savons que Dieu nous a mis ici sur terre pour faire son œuvre. Que les gens soient de ce camp ou de ce que vous êtes, que vous soyez de ce camp, Dieu nous a suscité à prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous n'allez pas mourir ou détruire votre famille ou détruire votre église à cause de la politique au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire car celui qui est mort est libre du péché. Les choses du monde qui disent, ces pécheurs, les stratégies, tout ce qu'ils font et ce qui vient sur les gens, et les gens sont morts aux choses du Seigneur. Alors, ces choses ne vont pas modifier votre vie au nom de Jésus-Christ, parce que nous devons nous focaliser sur Christ. Christ est Christ seul. Le football, les jeux, parfois lorsqu'il y a le football en cours et il y a le jeu de football, et on ne peut pas en ce temps-là avoir l'attention des gens. On voudrait aller évangéliser. Les gens se collent à la télé et le jeu les arrête. Ils ne sont pas morts au jeu du monde. Et lorsque les choses se produisent, et il y a beaucoup de choses dans le monde, et si vous allez réellement être vivant à l'appel du Seigneur, vous êtes mort à ces choses, vous êtes mort au péché, mort à toutes les conséquences du péché. Puisse le Seigneur l'accomplir dans nos vies, dans ma vie, dans votre vie. Que nous soyons morts à ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir la troisième partie ici. Péché pour Christ et déclarer la délivrance pour les morts. C'est sûr qu'on sommes appelés, ne sommes pas appelés à passer, à dépenser toutes nos ressources. Même, il y a l'argent à la banque et on veut ensevelir ceci et cela. Parfois, on laisse le cadavre à la morgue et on va attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et les gens paient l'argent chaque jour à cause du cadavre à la morgue. Vous les demandez, quand est-ce qu'on fera l'inhumation? On est en train d'arranger l'inhumation avec nos frères en Europe, ceci, cela, parce que vraiment, il faut 10 millions pour faire l'enterrement. Cela n'était pas au temps des apôtres, au temps de Christ. Pourquoi être si englouti par l'affaire d'enterrement et on ne peut plus évangéliser? C'est comme le monde s'agrippe, prend beaucoup de personnes et emporte les gens au monde. La chose la plus importante dans notre vie, c'est pécher pour Christ et déclarer la délivrance pour les morts. Cela nous dit, on va à Matthieu 4, verset 16, dit, et ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le verset 17 dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le verset 18 dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 19 dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le Seigneur disait que voici ce qui doit occuper votre cœur, voici ce qui doit posséder votre attention, voici ce qui doit faire votre concentration, votre contribution au royaume de Dieu, voici ce qu'il faut faire dès maintenant jusqu'à la fin de votre vie. Il n'y a point d'autre chose. Parce qu'il dit, suivez-moi, et dès que tu me suis, et la seule chose à faire que tu dois suivre, et sur laquelle il faut te concentrer jusqu'à la fin de ta vie,
Alors je te ferai pêcheur d'hommes. Verset 20 dit, aussitôt, par une affaire d'hésitation, il faut un autre message. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas une discussion, il n'y a pas d'argument. Suivez-moi. Et aussitôt, ils les laissèrent les filets et le suivirent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? C'est de pêcher pour Christ et déclarer la délivrance à ceux qui sont morts dans leur péché, dans leur transgression. Hébreux, chapitre 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, la mort à la croix du calvaire, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15 dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, et vu que les disciples aient déclaré que Christ est mort, nous savons qu'il est mort, maintenant nous sommes à ce côté de la croix, il est mort afin que nous soyons délivrés, que nous ayons délivré tous ceux qui sont tenus, retenus dans la servitude par le diable, que nous les amions, que nous les ôtions de la main de Satan à la main du Fils de Dieu, que nous les ôtions des ténèbres à la lumière, que nous les délivrions des choses qui les enchaînent et qu'ils soient libérés pour servir le Seigneur. Ce doit être notre concentration. Et prêcher pour Christ et déclarer la délivrance pour les morts. On va à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il parlait aux pécheurs, à ceux qui sont morts dans leurs iniquités. Il parle à ceux qui ne connaissent pas Christ, à ceux qui doivent entendre la voix du Seigneur et se réveiller de la société des morts et se tourner vers le Seigneur afin qu'ils soient sauvés. Et il déclare la parole, et déclare la parole avec un son pénétrant dans leur corps, disant, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, nous allons voir la diligence pour accomplir sa commission avec une concentration obligatoire, une concentration contraignante. Il n'y a pas d'autre chose qui arrête votre pensée. Cela attire votre attention. Alors, vous n'allez pas ici et là, de toute votre pensée, tout votre cœur se concentre sur la moisson des âmes pour lequel Christ est venu et que Christ demande. Christ disait, Christ suscite des disciples pour cela et tu en es diligent, tu te concentres sur cela et tu y mets tous tes efforts. La diligence pour accomplir sa commission avec une concentration contraignante. Nous allons à Luc chapitre 9. Luc 9, 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord en celui de mon père. Il dit, Seigneur, comprends, je travaille, comprends, je me prépare. Et comme tu. 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi. Permets-moi d'aller d'abord. Permets-moi d'aller d'abord. J'ai quelque chose de très important. Permets-moi d'aller d'abord. J'ai quelque chose à faire. Permets-moi d'aller d'abord. Toutes les fois qu'on se met en premier lieu, avant la commission, avant l'appel de Dieu, avant le devoir que Christ a pour nous, avant le ciel, quand on met quelque chose en premier lieu, avant d'aller à la direction du ciel, la chose là est à la place primordiale en nous. Quand on entend parler de l'enlèvement, on dit, s'il te plaît, il ne faut pas mentionner cela. Que j'aille accomplir cela d'abord, que j'aille accomplir cela avant l'enlèvement. Quand on mentionne le second avènement de Christ, attends, faut pas en parler. Que j'aille faire ceci avant l'enlèvement. Dès qu'on mentionne quelque chose, on doit dépenser l'argent, on va passer notre vie pour
l'évangélisation, aller prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. S'il vous plaît, faut pas en parler. Laissez cela. Cachez cela. Ôtez cela. Laissez-moi accomplir ce projet. Nous nous disqualifions. Nous nous disqualifions de suivre le Seigneur. Tout ce qui est en premier lieu, qu'on fait sortir, moi d'abord, mon genre d'abord, ce que j'aime d'abord, la chose suprême dans mon cœur d'abord, la grande chose dans mon cœur d'abord, ceci là, je prie pour ceci, je dois le faire d'abord, avant de mourir. Donc, il ne faut pas mentionner autre chose. Voici le premier dans ma vie. Nous nous disqualifions, on se disqualifie du royaume de Dieu. Alors, ça dit, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et le verset 62 dit, Jésus lui répondit, quiconque, tout homme qui fait cela, quiconque qui met quelque chose en premier lieu, la jouissance d'abord, les distractions d'abord, les amusements d'abord, la nourriture d'abord, la femme d'abord, les jeux d'abord, les jeux olympiques d'abord, la politique d'abord. Quiconque met quelque chose en premier lieu, qui met quelque chose avant l'appel de Dieu, se disqualifie. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Un, le danger de regarder en arrière tout en mettant le moi en premier lieu. Deux, la damnation de se détourner en cherchant d'abord la satisfaction. Trois, notre destinée pour avoir mis son service, pour avoir mis son service en premier lieu. Nous allons voir la première partie, le danger de regarder en arrière et de se mettre en premier lieu. On voit 2 Pierre chapitre 2. Verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Après être venu au Seigneur, on court après lui. Et nous le servons un peu, et puis on prend contact avec les gens du monde, avec la politique du monde, avec les pratiques du monde, avec les principes du monde, et un peu, ce n'est pas le premier jour, c'est le premier jour, si c'est le premier jour, cela va vous ôter, mais un peu, et ces choses commencent à vous influencer, et l'influence du monde, et les influences de la parole agissent sur toi. Et finalement, les choses qui t'attirent dans le monde vont t'attirer et tu n'auras plus d'intérêt aux choses de la parole de Dieu. Ce que tu avais abandonné, les choses que tu avais consacrées au Seigneur, je ne vais pas toucher cela, je ne vais pas aller à la direction là, cela ne va pas prendre mon intérêt. Ces choses maintenant agrippent ton cœur, ces choses maintenant engloutissent ta vie et maintenant et tu t'y engages de nouveau et tu es vaincu et c'est dit ta dernière condition est pire que ta première. C'est ainsi qu'on doit veiller. Donc veille sur notre vie et de tout ce que Jésus dit que quand tu mets ta main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu regardes à ces choses-là, tu n'es pas propre au royaume de Dieu et la fin de l'homme et de la femme là, est pire que le commencement. Voilà la deuxième partie ici, c'est la damnation pour avoir rétrogradé, pour avoir quitté
en cherchant d'abord la satisfaction. Lorsque vous commencez à penser au moi, tu penses à ton corps, tu penses à ton goût, tu penses à tes délices, tu penses à ton confort, tu penses à toutes ces choses au-dessus de ton appel au royaume de Dieu. Un peu de défi, il n'y a pas de carburant, un peu de défi, il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas, je n'ai pas de nouveaux billets pour pouvoir aller à la réunion, et un peu de difficulté, que les choses sont sur la voie, je ne crois pas aller là-bas. Lorsque tu commences à penser de cette manière, et tu dis, tu es satisfait de toi-même, tu cherches les choses de ce monde, un peu de un mal de tête, tu ne peux pas venir à la réunion, mais tu vas amener ce mal de tête au marché, à l'épicerie et au service. Vous voyez, tes principes maintenant changent. Il y a maintenant la damnation en cherchant la satisfaction de soi avant le service du Seigneur. Nous allons au psaume 78, psaume 78, psaume 78, psaume 78 et verset 8 qui dit « Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observassent ses commandements. » Verset 9, « Les fils d'Éphraïm, armés et tyrans de l'arc, tournaient le dos le jour du combat. » Ici, nous sommes formés pour l'évangélisation, pour le service du Seigneur. Lorsque l'évangélisation ou distiquer la croisade mondiale, lorsque le programme se présente, où es-tu? Le moment où il faut inviter les gens, que les gens viennent et qu'on convoque les gens, qu'on tienne des lieux de réunion et pour faire réunir les gens là-bas, comme si la croisade doit être tenue là où vous êtes, mais l'intérêt n'est pas là, et puis la passion n'est pas là-bas, et le renoncement à soi n'est pas là, et seulement on fait dos avec toute la formation qu'on a, avec toute l'énergie qu'on a reçue, on fait dos au jour du combat. Cela n'est pas assez bon. Je prie que le Seigneur nous mette en feu pour son œuvre une fois encore au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Voyons numéro 3 maintenant. Numéro 3, c'est notre destinée pour avoir mis son service en premier lieu. Toujours, chaque fois. Qu'il pleuve, le service de Dieu d'abord. Que le soleil brille, le service de Dieu d'abord. Mon enfant là, ce n'est pas ce que je veux qu'il soit. Et cela me fait mal au cœur. Oui, l'enfant là, l'enfantillage est là, mais le service de Dieu d'abord. Les choses qui ont lieu à notre lieu de service, et cela me prend le temps, même on licencie des gens. J'espère que cela ne m'arrive pas. Mais rappelez-vous, le service de Dieu d'abord. Le service de Dieu d'abord. Et c'est ce que Dieu cherche. Qu'à tout moment, Dieu sera le premier. Christ sera le premier. Le service de gagner des âmes, le premier dans notre vie. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, à tout moment, dans votre conversation, dans votre interaction, dans votre prière, dans votre poursuite, dans tout ce que vous faites. Cherchez premièrement le royaume, l'expansion de ce royaume, la promotion de ce royaume et l'élargissement de ce royaume. Et l'intégration de ce royaume dans les mains des gens. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
sa justice en toi, sa justice dans tes voisins, sa justice dans tes convertis, sa justice dans l'Église. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Puisse le Seigneur nous donner le cœur, l'esprit, la passion, la consécration de le mettre en premier lieu à tout moment, en toutes choses, toujours dans notre vie. Et puis, nous allons demeurer des gens fiables, dépendables, qui suivent le Seigneur, qui suivent le Seigneur pour le servir, qui suivent le Seigneur pour le ciel. Amen. Un grand amen. Tenons-nous debout maintenant et présentons-nous maintenant au Seigneur. Que Dieu accomplisse ceci dans notre cœur. Que notre façon de suivre le Seigneur sans réserve, que cela égaie le cœur de Christ et le cœur du Père céleste au ciel, et cela égaie le Saint-Esprit, et que le cœur de tout le ciel soit égayé, que Dieu a trouvé des gens qui le suivent sans réserve. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière.